Hello! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concours de l'Avent. Alors, si vous me suivez sur les différents réseaux, vous pouvez voir que depuis le 1er décembre, je vous propose un concours par jour qui dure jusqu'au 25 décembre. Donc, si vous les avez loupés, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours participer, mais ne tardez pas trop non plus. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concours, mais je vais aussi vous passer en revue les 14 premiers concours. Et du coup, il y en a encore d'autres qui vont arriver plus tard. Mais ça, vous les découvrirez en temps voulu. Alors, aujourd'hui, je vous propose de remporter un coffret Bellessa. Bellessa, c'est une marque très sympa qui nous vient des Cévennes et qui utilise dans ses produits de beauté le plus possible des ingrédients qui viennent justement des Cévennes. Donc en plus d'être plutôt local, les ingrédients sont respectueux de l'environnement mais aussi de notre santé. C'est pour ça que c'est une marque que j'affectionne beaucoup et je suis hyper contente de vous le proposer en concours. Donc pour y participer, c'est très simple, vous trouverez en dessous de cette vidéo un lien vers un formulaire Google où vous pourrez mettre votre adresse mail et votre prénom, nom, etc. Tout simplement puisqu'on va faire un tirage au sort après du coup le 25 décembre et on a besoin de votre email pour vous contacter si vous avez gagné. Voilà, donc n'hésitez pas à participer, vous avez jusqu'au 25 décembre minuit. Ensuite on procédera au tirage au sort dans les jours qui suivent. Alors si vous avez loupé l'un des concours d'avant, je vais vous faire un petit récap histoire de voir s'il y en a un qui vous plairait ou pas. Le 1er décembre, je vous proposais justement sur cette chaîne YouTube de remporter le livre Arrêtez d'assassiner vos plantes d'intérieur. Le 2 décembre, direction Instagram, puisque je vous proposais de gagner une bougie artisanale qui nous vient tout droit de Marrakech. Donc c'est quand même une bougie assez de luxe, hein. C'est pas une bougie Ikea. Puisqu'elle est vendue dans la boutique Mossica, qui est une nouvelle boutique qui se situe à Nantes. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Instagram, c'est super joli tout ce qu'elle propose. Je suis d'autant plus contente de vous proposer ce concours puisque j'ai travaillé sur l'identité graphique de cette boutique, puisque à la base, comme certains le savent, je suis graphiste et illustratrice. Donc j'adore vraiment l'univers de Mossica puisque ce sont des produits qui viennent d'Afrique et vraiment la créatrice est géniale et là elle vous propose de remporter une bougie qui nous vient de Marrakech et qui sent super 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 bon. Donc ça peut soit vous emporter dans les mille et une nuits, soit vous faire tout simplement penser à Noël puisque c'est une odeur d'orange cannelle. Donc très sympa, très cocooning. N'hésitez pas à tenter votre chance sur Instagram, les envies de Georgette. Le 3 décembre, je vous proposais de remporter un programme d'échauffement vocal Georgette Vox. Donc c'est toujours moi. Donc comme vous le savez, je suis professeure de chant et coach vocal et du coup j'ai également travaillé sur un programme en ligne pour vous permettre de travailler tout simplement quand vous en avez envie de chez vous et avoir tous les outils sains pour votre voix pour pouvoir l'échauffer. Donc c'est un programme qui contient plus de 80 vidéos et que je propose quand même à 69 €, donc c'est un joli cadeau. N'hésitez pas, si vous chantez souvent même sous la douche etc, c'est pas réservé aux professionnels, ça peut être juste pour les amateurs, pour les curieux de la chanson aussi, ça permet de découvrir un petit peu ce qu'est la technique vocale et ce n'est pas réservé aux professionnels, donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Le 4 décembre, alors c'était pas un concours, là c'était tout le monde est gagnant et c'est toujours possible de le télécharger puisque je vous proposais des étiquettes de Noël ainsi qu'une carte de Noël, donc il suffit tout simplement de télécharger et de l'imprimer. Vous avez des petites étiquettes originales pour décorer vos cadeaux et glisser une petite carte pour dire à quel point vous aimez vos proches. Donc c'est moi qui les ai dessinées, j'espère que ça vous plaira. Donc c'est pareil, vous pouvez retrouver mon travail d'illustratrice sur Georgette Workshop. Donc ça, vous trouverez le lien sur le Facebook de Les Envies de Georgette, mais je vais vous mettre aussi en barre d'infos le lien pour télécharger si ça vous dit, ça vous évitera d'aller un petit peu partout sur mes réseaux. Le 5 décembre, c'est une de mes créatrices coup de cœur puisqu'il s'agit de Flo Savonnerie. Donc c'est une marque de savon saponifié à froid, c'est ce que j'utilise sous ma douche, mais pas que en fait, c'est aussi des produits pour le corps, un baume lèvres, etc. Et du coup, elle vous propose de remporter un savon au miel, et un baume pour les lèvres, donc parfait pour affronter le froid de l'hiver. Ah, ça, c'est un message, désolée. Qui c'est qui a pas mis son téléphone en silencieux? Le 6 décembre, eh bien c'est Madame Aubépine qui vous propose sur Facebook de remporter une tisane de Noël. Donc direction Facebook Les Envies de Georgette, je suis d'autant plus contente de vous présenter cette marque que c'est vraiment une toute jeune marque
puisqu'elle a été créée juste au 1er décembre, je crois. Donc vraiment, ça lui permet aussi de se lancer. Et je suis encore plus contente de vous la présenter, que c'est moi qui ai travaillé sur l'identité graphique avec le logo notamment dessiné, donc les petites fleurs. Donc j'espère que ça vous plaira, sachant que c'est une herboristerie du coup qui est donc dans l'Hérault et qui ne s'approvisionne que sur des producteurs de très bonne qualité, le plus possible locaux, etc. Elle fait très attention à l'environnement, l'empreinte carbone, etc. Une marque qui fait très attention à tout. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance pour découvrir sa tisane de Noël, qui est un mélange du coup de plantes, mais vraiment très 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 cocooning. Si vous avez envie de vous faire une petite tisane au coin du feu, à côté de votre sapin de Noël, devant des films de Noël où on va tous chialer à la fin, eh bien c'est le concours qui est pour vous, direction Facebook. Le 7 décembre, je vous parlais de Igral, donc il y avait les Cyber Monday. Donc ce jour-là, il y avait des cashbacks à deux chiffres. Si Igral, ça ne vous parle pas du tout, j'ai fait deux vidéos sur le sujet et en fait, grâce à mon lien de parrainage, vous gagnez directement 10€. Donc ça, c'est vraiment direct dans votre poche. Si vous utilisez tout simplement Igral pour vos achats de Noël, par exemple, vous pouvez vraiment faire de super économies. N'hésitez pas à regarder un petit peu plus près mes vidéos que j'ai faites et pourquoi pas vous inscrire sur Igral avec mon lien de parrainage. Je vous l'inscris, AnnSod, A-N-N-S-O-D. Le 8 décembre, on se met un petit peu au sport, mais pas trop, puisque je vous propose de gagner un abonnement de 3 mois sur la plateforme Soform. Donc c'est du pilates, du stretching et de la gym douce. Donc c'est vraiment tranquille, mais ça permet de renforcer tout ce qui est muscles profonds, donc très très bien pour la posture si vous avez des soucis de dos, etc. C'est vraiment le top. Et puis aussi assouplir le corps et le rendre un petit peu plus tonique. Et je pense qu'on va avoir du travail après le confinement plus Noël. Donc ça vient à point. Donc ça se passe également sur Facebook, donc direction Facebook Les Envies de Georgette, où vous pouvez gagner du coup un abonnement de 3 mois d'une valeur de 57€ quand même. Le 9 décembre, je vous proposais une bouture d'Alocasia. Donc ça, c'est encore un concours personnel. Donc tout simplement, il suffit d'aller sur Instagram et de tenter votre chance. Donc c'est un de mes Alocasia qui a fait un rejet cet été et je propose à l'un d'entre vous de gagner ce rejet, puisque vous avez été nombreux à me dire que vous aimiez beaucoup cette Alocasia dans mes vidéos. Le 10 décembre, je vous propose de remporter un coffret Kativa. Donc c'est une marque de soins capillaires qui contiendra du coup un shampoing, un conditionneur, un masque ou un sérum au choix sur les gammes macadamia, huile d'argan, kératine ou coco, donc d'une valeur de 25€. N'hésitez pas à tenter votre chance, ça se passe sur Instagram Les Envies de Georgette. Le 11 décembre, direction Facebook pour tenter de remporter une séance de sophrologie en ligne ou en présentiel si vous habitez la région de Montpellier, avec Maguelone de Life Center. Donc Life, ça veut dire love yourself first, avec mon accent anglais pourrave. Du coup, n'hésitez pas à tenter votre chance sur Facebook. J'adore vraiment Maguelone, en plus d'être une amie. Je vous en ai déjà parlé l'année dernière, mais ça fait partie de ces personnes qui m'ont vraiment aidé à sortir d'une spirale pas très très vertueuse dans laquelle je m'étais un petit peu enfermée, et c'est vraiment une coach de vie exceptionnelle. Donc n'hésitez pas à lui faire confiance si vous avez besoin de quelqu'un pour vous rebooster, si vous avez des angoisses, si vous savez pas trop comment reprendre votre vie en main. Elle fait de la sophrologie et aussi du coaching de vie. Le 12 décembre, il s'agit d'un concours qui va parler aux mamans et notamment aux jeunes mamans qui n'ont pas encore débuté la diversification alimentaire, puisque Anna Moni vous propose un atelier sur comment débuter la diversification alimentaire sans stresser, tranquillement, d'une valeur quand même de 60€. Donc c'est un atelier qui peut avoir lieu en visio, donc n'importe où vous êtes, en France, en Belgique, etc. Et n'hésitez pas à tenter votre chance, ça peut vraiment être sympa pour démarrer la diversification alimentaire. Elle va vous apprendre plein de choses, on en reparlera de toute façon sur cette chaîne YouTube, puisque c'est elle qui va m'accompagner pour la diversification alimentaire de Noam, de bébé Noam. Comment je suis gaga. N'hésitez pas à aller sur Facebook, puisque ce concours se passe sur Facebook, à taguer toutes vos copines qui ont eu un bébé il y a pas très très longtemps et qui vont bientôt passer à la diversification alimentaire, parce que vraiment je pense que ça peut les aider. C'est quand même une étape importante, la diversification. Et sachez aussi qu'elle est sur Montpellier, donc si vous êtes de la région de Montpellier, si il n'y a plus de soucis de Covid, c'est aussi une personne qui peut se déplacer chez vous pour vous aider à mettre en place la diversification. Le 13 décembre, on reste dans l'univers des enfants,
puisque je vous propose de remporter mon abécédaire. Donc c'est un abécédaire que j'ai dessiné pour mon bébé Noam. Et du coup, je vous propose de le gagner, donc personnalisé ou pas, comme vous le souhaitez. Donc vous pouvez mettre le prénom d'un enfant ou le vôtre, hein, si vous avez envie d'un abécédaire. N'hésitez pas à tenter votre chance, ça se passe sur Instagram. Le 14 décembre, je vous propose de remporter 2 wet brushes. Donc les wet brushes, c'est vraiment les brosses super sympas pour... Bon, moi j'ai plus trop la longueur qui nécessite d'avoir une brosse efficace, mais je l'ai testé quand j'avais aussi les cheveux longs et c'est toujours celle-là que j'utilise. Donc vraiment une super brosse à cheveux. Donc je vous propose de gagner le format original plus le format de poche. Vous choisirez le modèle de votre choix. Valeur du lot 32€, donc c'est un concours plutôt sympa également. N'hésitez pas à tenter votre chance, ça se passe sur Instagram. Voilà, je vous ai récapitulé les 15 premiers concours de l'avant. Du coup, il y en a d'autres qui vont arriver les jours suivants, vous l'aurez compris. N'hésitez pas du coup à me suivre sur les réseaux sociaux pour n'en louper aucun, puisque soit ça se passe sur YouTube, soit sur Instagram, soit sur Facebook, vous l'aurez compris. J'espère qu'ils vous font plaisir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme vous l'aurez vu, c'est en général des petits artisans, des petites marques qui se lancent, etc. Et c'est comme ça que je l'imaginais, c'est vraiment... Moi, mon but, c'est de les aider aussi à se faire une petite visibilité. Il n'y a aucun concours sponsorisé dans ce calendrier de l'Avent, c'est Noël. Du coup, moi, je voulais vraiment les aider à avoir une visibilité, d'autant qu'avec le Covid, ça n'a pas été facile pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à les soutenir également à votre manière en participant à ces concours. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Salut !